de la Chine. Alors, tout à fait, au début, en 2004, l'image était vraiment de la Chine. Et puis, il y a quelques années, on a introduit le concept de science de la nature, de la vie. C'est pour ça que Sun Yat-sen a pris sa place dans ce salon. Donc, comme vous voyez, c'est une école d'ingénieurs en bioéconomie qui est basée à Paris et à Lyon. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis Emmanuel, je suis directeur du développement de l'ingénieur Sun Yat-sen. Je suis également le directeur du concours Apparence et le concours que vous avez dans l'entrée à Sun Yat-sen, et dans d'autres écoles d'ingénieurs. Il y a des gens qui sont intéressés à faire, je vais répondre aux questions par rapport aux conditions d'admission. Le principe de cette conférence, c'est de parler des biotechnologies, mais on va la chimie. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas scientifique à la base. Je vais vous parler de généralité, pas rentrer dans le détail scientifique. Ce n'est pas notre but de proposer cette conférence, c'est surtout de comprendre que les biotechnologies, évidemment, quand on pense, on pense beaucoup à la santé. Donc, finalement, les biotechnologies, nous accompagnent du matin au soir, dans notre vie. Dès que vous êtes cuisinière, vous êtes dedans. Quand vous lavez, vous êtes dedans. Quand vous prenez votre voiture, vous pouvez aussi faire partie des groupes des biotechnologies. Donc, nous avons évidemment beaucoup d'applications. Donc, il y a beaucoup de métiers. C'est important. Alors, on va commencer justement par quelques exemples d'applications concrètes en biotechnologie. Vous savez qu'elles sont classées par cinq couleurs de biotechnologie. Alors, on va d'abord parler des biotechnologies rouges, qui sont les plus importantes en termes de représentation. Les biotechnologies rouges, c'est tout ce qui concerne la santé et, par extension, le secteur de la pharmacologie. Alors, petite précision. Nous, à Sun Yat-sen, on forme des ingénieurs. C'est une petite place à la question, mais je ne peux pas faire de la taille. Ça veut dire que nous, on a des ingénieurs qui vont travailler sur des domaines qui les intéressent. On ne formera pas de médecins. Ceux qui seraient intéressés éventuellement par des études de médecine pour être dans le monde de la santé, c'est des études qui vont même faire la passe, faire des études universitaires. Nous, on va vraiment former des médecins qui vont, des ingénieurs qui vont travailler tout le temps aux côtés des médecins. Alors, les applications possibles dans la santé du domaine. Les technologies, c'est vraiment la voie royale pour travailler dans la santé. Alors, on en a quelques-unes là, notamment au niveau de la pharmacie, justement, on a ce qu'on appelle les biomédicaments maintenant. Sur le salon des médecins de l'UI, c'est un des partenaires majeurs de l'époque, et ça veut dire que les autres entreprises pharmaceutiques ont décidé de faire un virage vers les technologies. À savoir, on peut aller chercher les biomédicaments dans la chimie du moment, mais dans le vivant également. Maintenant, ce qu'on appelle les biomédicaments. Ça fait pas mal de temps que les choses se mettent en place pour changer leur mode de production. Donc, il y a vraiment d'envie aujourd'hui d'aller chercher dans la nature, c'est ça en fait, la définition, elle est simple, c'est s'inspirer du vivant, aller chercher dans le vivant. Ça peut être du végétal, de l'humain, de l'animal, ça peut être des bactéries, ça peut être des microbes, ça peut être des virus. Faire des choses avec le pour créer des produits et des services qui vont améliorer le quotidien de l'homme. Ça peut être une biotechnologie. Donc, 80% des nouveaux médicaments sont issus aujourd'hui de biotechnologie pour le chiffre. Ça, c'est important aussi parce que pour les entreprises, on a besoin d'ingénieurs en biotechnologie. Et au niveau pharmaceutique, les vaccins, tout ça vient aussi compléter l'offre de gains qu'on peut avoir avec la technologie. Vous avez un exemple déposé avec les différents vaccins. Ça a été quelque chose. Comment on aura passé quelques années dans une Europe, là, et bien, ça, c'est typiquement un exemple des technologies. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire du vaccin, hein. Mais c'est vrai que c'était une plateforme, c'est une plateforme sur laquelle on voit depuis plus de 60 ans. Quand est arrivé la crise Covid, typiquement, et bien, on a tout ce qui existe et on travaille au bon public, on essaie de saisir les opportunités, et en l'occurrence, cette plateforme-là, permis de développer un vaccin très rapidement. Donc, en gros, il y avait 60 ans de travail derrière. Le plus intéressant aujourd'hui, c'est que les messagers, on s'en sert aujourd'hui pour beaucoup de vaccins. 300 000 vaccins qui sont vendus, notamment des vaccins contre le cancer, qui sont partis pour des vaccins. Donc, c'est toujours intéressant de se dire que quand on traverse une crise, c'est souvent le cas, on a cette capacité, une capacité à trouver des solutions, et si on peut tirer un élément positif, ça nous aura peut-être permis dans l'avenir de
réserve gravement, et c'est ça auquel on n'a pas pu penser sans cet élément. Et enfin, pour donner un exemple développé des technologies aujourd'hui qui sont utilisées, nous allons vous parler de CRISPR-Cas9. C'est pas une céréale, on transforme un autre céréale. C'est un outil molécule, la cytomolécule, qui permet d'optimiser le niveau de la santé. Alors, c'est au niveau, c'est une co-découverte. Hein. Une chercheuse française s'appelle Daniel Charpentier, qui est une animale, et on a vu le polymère de chimie. Alors, en 2020, beaucoup moins de chimie, qui a vraiment un peu de nouvelles de biologie aujourd'hui. Et en fait, c'est un outil qui permet de modifier la couronne génétique du stress, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bouger les brins d'ADN et les remplacer. Donc là, vous, pour la boîte de Pandore, vous avez un domaine qui est assez chimique. Et un mot qu'il faut associer quand on parle de biologie, c'est politique. On ne peut pas faire n'importe quoi lorsqu'on touche. Et notamment avec le risque à Castel, il y a des gens de Sèvres, qui sont venus en Chine, sur les jumelles, qui sont, vous pouvez avoir une patriotude dans le ventre de leur père. En fait, un professeur chinois a utilisé cette technologie pour faire en sorte que les gens de Sèvres, qui sont venus en Chine, qui sont venus sur papier, c'est super, hein, on a des cyclades, 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 on a des On utilise beaucoup dans l'agriculture et dans le monde digital. Voilà, CRISPR-Cas9, un dispositif technologique au service de la biotechnologie. Retenez qu'on a des problèmes de technologie de manière générale, de l'humanité. Les 50 dernières années, les 500 précédents. Imaginez les 50 vivants. C'est vraiment un carrefour de l'humanité où on va très vite. Là, on a l'intelligence artificielle qui est centrée. Donc, imaginez des vitesses sur la Terre. Tout ça au bénéfice de l'homme et de l'espoir, et en tout cas, des biotechnologies en font du parallèle. Alors, pour l'application concrète pour les biotechnologies, les prothèses. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on est capable de faire certaines prothèses, notamment la cœur carpal. Si vous connaissez le cœur carpal, c'est un des projets que nous avons avancé, hein, c'est le cœur pour tout, l'organe de sa thèse, notamment le cœur, c'est aussi une société française. En fait, c'est l'alliance du groupe Carpentier, le professeur Carpentier, et la société Vanguard. Donc, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de permettre à des patients qui attendent un défaut, qui sont des barrières, de vivre le temps que le défaut en est pour les passer de défaut. L'objectif de cette société, c'est de pouvoir remplacer de façon pérenne un cœur défaillant par un cœur synthétique. Bien sûr, c'est une question que le cœur soit en retour d'être fort. Est-ce qu'on pourrait imaginer faire avec le cœur? On peut faire un trou avec un choix, Donc là, aujourd'hui, alors ça reste encore encore tout à fait clair, mais on peut imaginer que 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut pas se changer chaque appel de l'homme qui va y aller. Là, ce qui est une question intéressante, c'est est-ce que quelqu'un sur la voiture 100 ans, 120, 130, 140 ans. Est-ce que comme une voiture, on a trop de gens beaucoup de la direction d'embrayage, on a plusieurs prix, on a commencé à se faire. Combien de temps va tenir notre carrosserie? Je pense qu'il y a juste deux prix que je peux encore vous faire servir. C'est bien beau d'avoir des organes tout neufs, mais si vous ne pouvez pas, ça va le faire. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est un sujet, donc parce que la deuxième population mondiale est importante, hein, en plus, les étudiants ont 50 ans, imaginons, l'objet d'expérience de vie de 50 ans, d'autres problèmes vont se poser derrière, notamment la sportivité, l'accès aux soins, parce que le faire apporter un cœur, tu vas avoir. Alors, ce qu'on peut faire avec les cœurs, on peut aussi le faire avec des biotechs. Alors, il y a des gens anciens dans la salle. Je fais toujours référence à une série que moi j'ai regardée quand j'étais jeune, ça s'appelait La Bouche à l'Ivoire du Mar. C'est bien sûr, mais bon, ça n'a pas trop à la personne. Il y avait donc dans cette série un groupe de la vie de la en euros utilisé. Vous avez un œil biologique, vous avez un zoom, et un bras, une jambe, vous avez une petite corps. Aujourd'hui, on a une pièce qui est capable de faire
ensemble pour des questions qui sont imbrouillantes. Ou alors, on risque de lancer une stratégie différente. La lumière, du coup, on va pas rendre en termes de l'économie, mais là aussi, c'est un travail de l'ordre de commerçant. On a entendu parler de l'oralie, qui est peut-être, on a planté les bus dans les systèmes afin justement de pouvoir créer le processus de pensée à l'ordinateur, donc peut-être que tout l'image. Pareil, les prothèses aujourd'hui, on a inventé les gens qui ont pu la remplacer par une prothèse plastique esthétique. Donc c'est pas encore tout à fait clair, comment ce qu'on va faire, c'est copier cette prothèse, c'est-à-dire le cerveau, le cerveau qui donne l'impulsion pour donner le geste à faire. Donc là aussi, vous avez donné beaucoup de techniques, on pourra faire un grand coup de pied, on laisse pas mal de bras. Donc là, je vous ai parlé d'organes, ça veut dire que le premier pas de faire aujourd'hui, c'est le plan imprimé de l'organe. Là, vous avez une oreille qui a été bien imprimée par le cellule du nerf. Pourquoi la question 3D. L'oreille était imprimée à la passion. Aux passions, donc, cellule protéine. Vous savez qu'il n'y a pas de rejet. On a même déjà fait imprimer un cœur. C'est vascularisé. Là aussi, c'est des ventes de progrès, hein, ça va arriver très vite. Donc, c'est spontané. Vous voyez, on a quand même beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de métiers. Mais c'est pas que la santé et les technologies, hein, c'est aussi quand on peut en sortir, c'est aussi dans les droits alimentaires, c'est qu'on peut sortir dans les technologies, notamment parce qu'on a une population qui est beaucoup plus favorite. Alors, on va chercher où on veut, notamment dans le vivant, et avec 60% de la terre d'eau, parce que sinon, on est sur les poursuivis des salles de poids, de la pluie. Notamment, vous êtes dans le bas de la spiruline, on se sert dans la pratique. Voilà, on a beaucoup d'utilisateurs au niveau de l'océan pour aller chercher de la nourriture. On a besoin de protéines pour vivre. Aujourd'hui, essentiellement, on va aller chercher de l'eau, de protéines animales, de la viande. On sait, pour la défense animale, on sait évidemment les impacts négatifs par rapport à l'écologie. Et on est capable aujourd'hui d'avoir des protéines végétales. On peut avoir cet apport économique sans passer par les protéines animales. Là aussi, c'est une petite discussion, hein, parce que je mange du viande d'insectes également. On peut vivre avec des insectes en train de se développer, alors pour les animaux. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de millions de personnes sur Terre qui se posent des grands insectes. Parce que c'est un fait très fort à propos de l'économie. Et enfin, je vous ai dit, on a parlé de l'éducation génétique, améliorer la rendement des cultures et tous les pages, c'est aussi un rapport de l'économie, notamment l'OGM, parce que j'ai pas modifié, alors sans en débat, en encadrant tout ça, aujourd'hui, vous aurez beaucoup d'études. Forcément, on a besoin de permettre à des parents, par exemple, de pousser notre culture marine. On a besoin qu'ils se développent plus vite, c'est mieux qu'on va de la faire. Donc, ça, c'est effectivement qu'on va aller chercher. C'est une expérience que j'ai actuellement, c'est la question du pignon. C'est la fille, en fait, il y a plus de base de population, c'est-à-dire un peu de personnes sur Terre. Donc, il y a beaucoup de carences par une vie, mais évidemment, il y a un sens qu'elle a. Elle a, pour la base, c'est un gentil, c'est une bonne prévision. Donc, il y aurait en fait, on a connecté les points à la base, on a la zone, on a donné que les points de vue qui sont la formation de l'année, ça va être cette visite à donc, une nourriture qui est adaptée à la forme. Ça aussi, c'est pas la forme de l'année. Et puis, vous avez déjà mangé des yogourts, le mot de la bien à l'intérieur, je vois à l'extérieur. On va vous voir parce que dans ces yogourts, c'est tout petit. Donc, millions de bactéries pour vous aider à régler votre intestin. Et dans ces soins-là, la dernière fois, comme ça, vous n'avez pas la chance. Par contre, vous avez bien un peu de place. Se soigner en mangeant. C'est une bonne thérapeutique pour partir de l'homme. Et puis, si on continue dans les secteurs d'application, on a l'environnement. Peut-être pas mal, on le sait. Mais tout peut participer à la rencontre de cadre, notamment dans le traitement des déchets. Il y a beaucoup de la chimie. Donc, si vous utilisez les bactéries, on a les autres tests pour les bactéries qui peuvent manger des déchets. En fait, ce sont des êtres vivants à rencontrer une autre déchets, ce qu'on appelle la biomasse. Cette biomasse, on est capable de la réutiliser, notamment pour faire chauffage ou de l'essence. Parce que les biocarburants sont faits à partir de biomasse, notamment des résidus de blé, de betterave, on les transforme tous en éthanol, et donc, on peut faire des biocarburants.
ce n'est pas la solution utile qui peut être apportée pour le premier, mais c'est une des solutions pour bioéconomie pour faire bouger nos véhicules. D'une manière générale, on a ce qu'on appelle la bioéconomie, et donc c'est l'utilisation de la biomasse pour produire de la vie courante. Je vous montre quelques produits que j'ai fait à la fin de technologie à Vienne. Donc ça c'est cet objet, moi je vais prendre en main pour les tester et le café par exemple pour la place de champignons ou la chute solaire, j'ai vu l'écouter. Qu'est-ce qui m'a vraiment interpellé, c'est ces chaussures-là, qui sont entièrement faites en cuir. Et celle-ci en ananas. Et il n'y a pas un compte de plastique, il n'y a pas un compte de cuir. Ici, des chaussures que vous avez l'impression d'avoir acheté dans un magasin classique, la même texture, la même qualité. Et cette robe, elle est notamment faite en Amérique. Je suis soigné. Il y a une forme d'entreprise aujourd'hui qui se développe pour pouvoir justement utiliser cette biomasse et ne pas faire de déchets supplémentaires. Oui, c'est des déchets qui existent. Et là, on est notamment dans la fameuse loi de la Lavoisier, elle se fait pour transformer. La cosmétique. Maintenant, moi, je me suis lavé les cheveux. J'aime bien utiliser un shampoing de mousse. C'est un mousse que vous avez utilisé des produits cosmétiques à base d'ingrédients naturels. En fait, c'est un ingrédient bio. C'est pas ça, on peut dire, dans la cosmétique, mais bien compris aussi. Et donc, aussi avant, il y a beaucoup la chimie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend la chimie remplacée aussi par le vivant, là, ils sont allés chercher des ingrédients en cosmétique parce qu'il faut que vous fassiez pour avoir un peu d'application en tout cas. On peut voir aujourd'hui comment ils proposaient un produit. Ils ont posé le produit pour bien couper. Les probiotiques, on en a parlé pour le bio, ça marche très bien pour l'amour aussi, pour le bien. Et puis il y a un secteur qui est en plein développement dans la cosmétique, c'est la lutte contre le vieillissement. On a dit qu'on peut vivre dans le vieux, mais on peut vivre dans la nouvelle condition. Le vieillissement, il commence à partir de 20 ans. On a identifié des gènes qui étaient responsables de l'expression du vieillissement. On n'est pas capable d'arrêter le vieillissement, on n'est pas capable de l'inverser. Encore. En tout cas, on est capable de l'interagir sur les effets. Des mots comme le collagène, l'antioxydant, sont rentrés dans la vie courante. Ils sont produits naturellement par le corps. Non, c'est des synthétiques. Si on essaie de avoir des synthétiques, on s'en fout. Ça se fait à d'autres produits. Regardez les pubs à la télé. 5 pubs de produits cosmétiques, dans un mois 3, on va le transférer. Donc, c'est un marché. C'est un marché qui est énorme. Donc, la biotechnologie est intéressante pour la cosmétique. Je vous ai parlé de l'eau à pression, en carne. On commence à pas mal maîtriser actuellement, c'est l'eau à pression de l'eau humaine. Et le début encore, ça va très vite. Deux applications majeures, pour les grands bouquets, maintenant. Quand on a le cas de l'eau, bien sûr qu'il y a pas de bouquets parce qu'on va prendre directement les cibles de la personne. Et puis, pour revenir au test, et il pense pour l'homme, là aussi, on les fait sur les animaux, maintenant, on les fait sur la personne. Voilà, vous avez vu, la biologie, la santé, l'environnement, la cosmétique, la voie alimentaire, la biologie marine, tous ces secteurs d'application, forcément, ça peut être du métier. On va s'intéresser maintenant au métier. Alors, juste pour introduire ça, on peut nous, sur les aides, faire une étude par Ipsos sur l'éthique. Premier observatoire de l'éthique, on était juste avant la crise Covid. Le deuxième, on était juste après la crise Covid. Et le troisième, on va faire ça. Je vous donne des chiffres qui sont assez intéressants. Donc, on a interrogé à peu près 300 entreprises. Ipsos, ça fait beaucoup de 300 entreprises du secteur des biotechnologies. Alors, déjà, on leur a demandé à cette entreprise qu'elle s'attendait lorsqu'elle écoutait un ingénieur qui compte pour nous. On leur a donné plusieurs systèmes, capacité d'initiative et d'adaptation, bonne capacité à s'adapter. C'est les deux premiers qui sont sortis. Parce que vous gérez clairement la question de l'équipe d'ingénieur. L'ingénieur, c'est le fait que vous avez envoyé un moment, on va résoudre les problèmes. Vous avez la supplémentaire, et après le bac, après on a des sous-parlés, tout de suite ils sont mis dans le bain, on va aller en voie changée. Puis pour avancer dans le processus, puis pour faire des projets importants. On a notamment un gros projet, ça s'appelle le projet DCDLD. 4 ans, l'employeur va demander à nos étudiants de trouver une occupation dans ce cas. Les 4 ans. On n'a même pas de limite. Le but de
n'est pas forcément d'arriver à ce qu'on appelle la trappe de l'essai, hein. Trouver dans le laboratoire pour trouver une bonne, et ce qui fait la gestion posée par le certains arrivent à cette fameuse trappe de l'essai, et décident de créer une autre solution pour trouver un contrôle. La bonne capacité à apprendre à progresser dans l'entreprise, les bons niveaux, culture générale, compétences scientifiques, techniques. Vous savez, c'est aussi le PLA dans le monde de l'avenir, hein, c'est la première, c'est la propre métier. D'abord, les connaissances scientifiques, parce que les connaissances scientifiques sont assez développées, on a quand même un fort enseignement de technologie de qualité. On a une reconnaissance de fonds pour ça. Et surtout, on va apprendre à nos élèves à continuer à s'auto-former dans leur carrière. Quand ils vont sortir sur le marché du travail, hein, avec leur connaissance scientifique, la science va s'amener au nom. Tout au long de leur carrière, à l'ingénieur, à continuer à s'auto-former. Ici, grandir avec la science, capter tous les jours. Et enfin, l'ouverture à l'international des groupes d'entreprise, madame, c'est ce qui est caractéristique, très présente dans le monde de l'ingénieur, la formation de l'ingénieur, puisque il y a un semestre que vous pouvez avoir utilisé par l'ingénieur, mais on a dans un semestre entier pour introduire du ministère partenaire. Peut-être qu'on a 100 000 destinations sur la compte, puis vous faites des stages avec la question pratique de théorie, c'est quoi? C'est d'avoir aussi en pratique, notamment pour la technologie, mais aussi en entreprise. Alors, sur un site de 5 ans, on a fait un peu de 12 mois de stage, un an d'expérience professionnelle. En plus, on peut signer que pour les élèves pour l'apprentissage. Donc là, on est 3 ans d'entreprise. Donc, vous voyez, pour moi, je suis évidemment tous les critères demandés par l'entreprise. Donc, on va leur demander à ces entreprises aussi comment ça se passe sur elles. Donc, est-ce que vous trouvez que le secteur est en croissance? Le secteur de biotechnologie. Vous voyez, il y a un déficit déjà avant la crise Covid, il y a encore plus à faire. C'est sûr que c'est un secteur qui a très bien investi. Alors, attendez aussi à cette entreprise si le secteur est bien. Il y a aussi un déficit. Il y a peu de secteurs aujourd'hui qui sont arrivés à part le sous-dotage et à part de. Et ça va être très bien pour vous, pour les technologies. Un peu plus d'un secteur qui va être les gens aussi. À tous les niveaux. Bac plus 5 pour les ingénieurs, Bac plus 2 pour les techniciens, Bac plus 3 pour les assistants ingénieurs, c'est le niveau d'un degré de bachelor en biotechnologie, Bac de licence pour une formation en 3 ans. Par contre, pour vous, un chef de projet pour les assistants ingénieurs, grosse demande de la part de l'entreprise, hein, plus de hausse. Et puis, on peut être, avec plus 8, on peut être un chercheur. On a, en général, 15 à 20% de nos élèves ingénieurs à la fin qui terminent avec un doctorat. Parce que je veux les trois entreprises. Parce que je suis en train. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme métier dans les biotechnologies? Il y a trois grandes catégories de métiers. En fonction de où on est dans la vie d'un monde. Donc, cette saison d'amour, c'est un peu l'image qu'on a de la paillasse. Hein, on est dans la recherche. Nouveaux médicaments, un nouveau vaccin, un nouveau produit complet, un produit spécifique, on est dans un laboratoire. On recherche, on développe le produit. On a plein de métiers adhérents à ça. On a trouvé des uns, mais une fois qu'on a trouvé à l'échelle du laboratoire, on va prendre ça à l'échelle industrielle. Ça, c'est pas une nécessité. Pas une application. Donc, on a tout à fait à l'industrialisation. On a fait toute la pure production. La qualité, forcément, on va prendre une industrie de qualité. Et puis, donc, tout ce qui est procédé. Alors là, on a tout coupé, on a produit avec les chefs, maintenant il faut valoriser, il faut faire connaître. Il faut faire connaître la production scientifique pour être sur la même scientifique. Donc si on veut être parlé dans le développement de chef de produit, management de produit, marketing, là, c'est pas une école de commerce qui est produit sur le niveau de la société, la polémentaire, la pharmacie, c'est vraiment une école d'ingénieur. Parce que la première qualité pour le produit sur le site, c'est d'avoir la production scientifique. Et derrière, la deuxième chose, c'est l'industrie. Vous avez un chef de projet en réel pour avoir une nouvelle ingénierie, être scientifique. Et puis après, on a des métiers très spécifiques. La bioinformatique, là, vous voyez l'informatique. C'est du développement informatique, plus c'est une réalisation de méthodes qui est. Après, on gagne du temps à le faire actuellement pour pouvoir en faire. On a un peu plus d'image. Puis après, voilà, on a toujours cette compétence. Administratif des banques, par exemple, des banques d'assistants, qui existent sur les sociétés, en fait, des politiques, par exemple, de voir toujours le concret des mécanismes de la société sur les banques. Donc, par exemple, on peut travailler avec la recommandation aussi. Astrobiologie, alors, on peut trouver des hasards.
On a un ancien élève, c'est pour la dessus, qui a une bonne condition au Canada, qui est toujours à la NASA. Il est parti un an, il était isolé pour sa condition sauvé d'un volcan Hawaï pour retrouver les conditions sur Mars. Le projet, il a fait la demande de la NASA, c'est de faire pousser des éléments sur Mars. Et il est en train de passer son diplôme d'astronaute pour éventuellement partir de sa première année, on espère. Il l'a fait récemment, il y a un mois et demi, 2 mois, on a un laboratoire. Initiales pour les appareils compromis des fonds de base du cerveau pour point de biologie. La personne a été contactée parce qu'il a envoyé 2 cellules dans la station spatiale. Donc, les cellules sont restées 1 mois pour étudier justement l'impact de l'espace sur le cerveau de l'homme. Donc, c'est un travail encore en cours, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de connexions entre l'espace et la biologie. Alors, quelques exemples. De nos anciens, on en a 1400, on ne pourra pas les faire tous. Mais en fait, si vous d'accord, de manière générale, un peu vision que vous pouvez faire en termes de formation, de lycée, donc d'un niveau d'école, là vous aurez tous les anciens qui sont inscrits en général, ça vous aura bien décidé. Les anciens sont dans une durée de 20 ans presque, ça peut être depuis 1 an, et c'est intéressant de voir leur progression de carrière. Ah oui, hein, vous travaillez dans la santé, vous travaillez dans le monde mondial, vous faites ce qu'on on peut faire un doctorat, c'est assez représentatif de ce que vous faites après ce que vous avez fait. Alors, vous m'avez procuré, on a beaucoup de filles, c'est un métier, mais trop peu d'ingénieurs heureux en France, 30% de femmes ingénieurs en France. Par contre, dans le secteur de la santé et de la biologie, on va monter la moyenne, parce que là, on est entre 65 et 70%. Donc, les garçons qui veulent faire de la biologie sont les plus élevés. Alors, que peut-on faire avec les jeunes ingénieurs dans ce que vous êtes, là, vous avez des études de recherche sur la promotion. Ce qui est intéressant de voir, c'est que moi, j'ai toujours un sondage à l'intérieur, premier jour de la rentrée, quand j'étais là, leur demande qui aimerait envisager de travailler dans le secteur de la santé, dans la recherche et le développement. Là, j'ai fait 20% de magistère. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 5 ans après, dans le marché du travail, certes, la santé reste un nouveau moyen d'emploi, parce que surtout dans cette région-là, on s'est fait avec lui. Donc, il y a au cœur du cancer en plus, mais là où il y a le cancer aussi, là on passe des notes sur la recherche sur le cancer, on est parti dans le passage de la cancer, on est parti dans le 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 cancer, c'est vrai que la santé est très bien entendue, on est plus à 80%. C'est pareil, on est plus à 80% dans la recherche, parce qu'ils ont découvert d'autres métiers. C'est aussi notre job, dans le cas, de faire pour d'autres métiers. Voilà, on a dit 95% dans les 400%. En fait, tendance qui se développe là, c'est qu'on a vraiment partent en voyage personnel, 26 jours de 6 mois, d'un an, pour faire un diplôme d'ingénieur. C'est le moment de le faire, hein, après avoir étudié toute sa vie avant de se lancer dans le marché du travail. Quand c'est fait, ils ont fait la société. Et surtout, la moitié est déjà embauchée avant la partie voilà. Du coup, pour vous, qui suivez les sujets qui sont amenés là, on est une école d'ingénieurs qui fait partie d'un grand groupe mondialiste. Aujourd'hui, le premier groupe à s'appeler supérieur en France, c'est 35 000 étudiants. Quatre écoles d'ingénieurs, donc vous pouvez suivre les liens pour un grand, c'est le sujet d'école informatique, il y a le CV qui est l'école généraliste, et le CERF qui est l'école d'aéronautique. Puis on a des écoles de commerce, on a des écoles de web, des écoles de développement informatique, d'intelligence artificielle, de mode. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un groupe comme ça, c'est qu'il y a des synergies qui sont entre les écoles. Je vous donne un exemple. Dans notre projet de mode, on avait un projet qui était envoyé une facture. Dans les nuages, avant de vous montrer une réaction, on a fait un nuage, on fait une facture. Ça, c'était la théorie. Vous avez sélectionné les arbres bactériques, après la pluie dans les nuages. Pour un nuage, il faut fusée. Ça, c'est pas vrai. Donc, sans les voir en caméra comme ça, comme de l'air en néo, ils savent pas fusée. Donc, oui, les élèves ingénieurs de l'État ont beaucoup d'appliqués aux élèves ingénieurs de l'État. Les élèves ingénieurs de l'État ont mis leur produit dans la fusée, ont envoyé la fusée dans le nuage, et dans un tour, ils n'ont jamais vu beaucoup malheureusement, parce que ça n'a pas marché. Mais encore une fois, c'est le résultat compte la démarche. Voilà, on est terminé.
on a le temps. On a un stand, on a trois étudiants, chaque membre, qui a besoin d'informations pour se déplacer là. Nous renseignerons sur l'école, comment intégrer l'école, et comment on va dans, on va demander si on parle également sur les études, voilà. C'est pas pour juste, c'est maintenant, je pense que c'est terminé dans la salle. C'est 14 comme si vous avez déjà votre bac, les amis sont là. Question? Moi j'ai deux questions. Oui, la réponse est si. Vous nous parlez un peu du profil des enseignants. Deuxième question, quelle place vous accordez aux langues étrangères? Ah, c'est une question. Alors pour les enseignants, alors c'est pour la comme Belgique et sur l'ensemble, en fait, là, on a plus des enseignants en cycle de 23 des enseignants qui ne font plus ça. Là, c'est dans leur métier, tout le monde est défi, hein, comment, la financière, la matière, leur matière de notre mission. Par contre, plus on va avancer dans le cursus, notamment dans l'école d'ailleurs, plus on aura le samedi. Pourquoi est-ce que vous allez au cours le samedi? Tout simplement parce qu'on va avoir des professionnels également. Ces professionnels ont de la difficulté pour se mettre dans le champ de ça peut être des ingénieurs, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des chefs de projet, ça peut être des membres d'entreprise partenaire, qui peuvent aussi apporter de la réactivité concrète par rapport au métier, par rapport aux technologies, par rapport à tout. Voilà. Donc, plutôt des enseignants, alors le cycle préparatoire, ça reste un cycle très académique, hein, c'est un peu comme le lycée, version premium. Vous avez une charge de travail qui est importante, et vous commencez à 7 heures, c'est-à-dire à 9 heures, lundi ou vendredi. Avec les partiels, avec les cours. Donc, les enseignements sont classiques avec même des points principaux en cours de l'université. Après, je dis, les enseignants sont aussi des enseignants à cette matière, mais aussi des professionnels. Bon, la place de l'anglais, là, elle est primordiale dans les méthodologies, à tel point que dès la création de l'école il y a 20 ans, on a fait un choix pédagogique qui est imposé la langue anglaise dans le cursus intérieur. Si vous faites une éducation supérieure, les trois dernières années, donc qui correspondent au système d'ailleurs, vous les faites qu'en anglais, une cour en français. Ça, c'est une vraie force qu'on donne à nos élèves, d'avoir cette capacité de parler, d'écrire, de penser en anglais à la fin, parce que même si vous travaillez en France, au fin fond de l'Ardèche, dans une entreprise de l'école, deux personnes, je vous assure, déjà toute la littérature, j'en ai en anglais, toutes les interactions, dans votre sentiment en anglais, s'il y a un combat, un combat de l'éducation partout, s'y aller, et là, ça sera, même les intervenants français, nous parlerons en anglais, ça c'est vraiment important. Donc, on est très important dans le pays, alors peut-être que vous prenez la prépa, totalement en anglais, pour aller simplement en anglais. Sinon, vous pouvez faire la prépa en anglais, pour l'anglais, pour être capable de faire la prépa en anglais, et donc, on se met à l'aider à l'anglais, c'est vraiment bien de passer. Donc, pour passer en anglais supérieur, alors, le concours est à l'entrée, après, il y a d'autres concours pour passer. Il y a des programmes très bien, mais il faut avoir aussi que le niveau d'anglais existe. Voilà. Et bien, il me reste à vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée pour la suite, peut-être à un de ces jours, sur notre concours. Donc, voilà, on a de l'espoir, c'est tout d'un avis, vous n'avez pas encore. Bonne journée. Merci.
Ouais, merci, bonne journée.
Thank you.